Salut à tous, c'est Macradan, bienvenue pour le 7e épisode de Mapmaking. Donc la semaine passée, on s'était consacré à un hors-sujet sur le devbook, que j'ai pas activé pour l'instant dans cette map, parce que j'en ai pour l'instant pas le besoin. Et on va pouvoir maintenant continuer sereinement la création de cette aventure. Donc le but aujourd'hui, c'est de créer un ordinateur permettant aux joueurs d'interagir avec les différents éléments de la map. Donc les différents éléments, ça va être l'achat de recettes, l'achat d'objets, augmenter le nombre de chunks, augmenter la taille de cette plateforme. Donc pour faire ça, en fait, j'ai divisé globalement la création en trois grosses étapes. Donc il y aura une étape qui va être de créer un écran. J'en ai déjà parlé la fois précédente, donc qui servira à l'affichage. Il y aura la création du périphérique d'entrée, donc c'est pas vraiment un clavier mais c'est l'équivalent, et le processeur. Donc l'écran sera chargé d'afficher les informations, le clavier sera matérialisé via des commandes Telro permettant d'entrer des commandes, et le processeur en fait va être chargé de lier les deux. On peut directement commencer par le processeur, qui est la partie la plus importante. Donc tout d'abord, il faudra définir l'architecture du programme. Donc je souhaite un programme permettant 4 choses. Donc première chose, augmenter le nombre de chunks, donc passer de 2 à 8. Augmenter la taille de la plateforme centrale. Acheter des recettes personnalisées. Et enfin, acheter des objets. Donc je vais commencer par définir un scoreboard. Scoreboard objective permettant de gérer ces commandes, que je vais appeler MCR Computer CPU. Donc je le copie aussi dans ma fonction d'installation, commence à prendre à devenir un petit peu importante. Je sais pas, je crois que je l'ai pas encore montré en vidéo, mais en gros j'ai fait cette fonction d'installation qui va créer les scoreboards, qui va créer les armor stands, les joueurs virtuels, mais à chaque fois en fait de manière à ne pas les recréer si par exemple ils existent déjà. Sauf les... Ah non, c'est bon, c'est un player 7. J'ai cru que je recréais les entités ici, j'ai rien dit. Donc revenons à la création. Donc j'ai mon scoreboard. Donc quand un joueur va utiliser l'ordinateur, il va recevoir un score sur ce MCR Computer CPU. Donc le score qu'il recevra au début, ça va être un score de 11. Donc pourquoi 11? Tout simplement parce que j'ai divisé mon programme en écran. Et l'écran de départ va permettre de choisir parmi les 4 options que j'ai citées plus haut, donc augmenter le nombre de chunks, augmenter la taille de la plateforme, acheter des recettes ou acheter des objets. Donc le premier 1 pour le 11. Le premier 1, ça va être pour indiquer que je suis sur l'écran 1. Et le deuxième, ça va être pour dire que c'est l'option numéro 1 qui est sélectionnée, donc augmenter le nombre de chunks. Si je voudrais sélectionner l'option 2, le joueur aura finalement un score de 12. Si j'entre dans un écran suivant, donc par exemple que j'entre dans l'écran qui sert à augmenter le nombre de chunks, je passerai un score de 21 par exemple, ou 22, parce que je serai sur l'écran 2 avec l'option 1 sélectionnée ou option 2 sélectionnée. Donc voilà comment ça va fonctionner à peu près. Et il y aura toujours une option qui permettra soit de revenir en arrière, soit de quitter le programme si on est sur le premier écran. Donc commençons tout de suite les fonctions. Donc je vais déjà faire une fonction, donc j'ai déjà fait une fonction ici, mais vous verrez plus tard à quoi elle sert. Je vais commencer par une fonction que je vais appeler startup.mcfunction, qui va être le démarrage de l'ordinateur entre guillemets. Et il y aura une fonction aussi qui sera shutdown, mais pour l'instant je peux faire un scoreboard
Players 7. Le joueur qui lance cette fonction. Computer CPU. Et on va lui mettre un score de 11 comme j'indiquais avant. Je fais aussi directement mon shutdown. Donc pour l'instant dans cette vidéo, vu que elle sera faite en deux parties, donc l'écran sera sur la vidéo suivante. L'ordinateur, en fait, on devra le démarrer en tapant une commande. Par la suite, ce sera automatique. Dès que le joueur s'approchera de la bonne zone, il recevra automatiquement le score et tout. Et là, je supprime le score. Je ne le mets pas à 0, je le supprime carrément. Donc voilà, ça c'était le plus simple. J'en profite aussi pour ajouter des joueurs virtuels pour chaque vue de l'ordinateur qui serviront à connaître le nombre d'options. Donc je vais directement retourner dans mon installation. Comme ça vous pourrez voir un peu comment ça marche. Donc je vais faire un MCR. Là je vous montre juste le nom du joueur virtuel par exemple. MCR CPU View. View 1 qui vaudra 5, donc ça va être scoreboard player 7 et mon CPU 5. Par contre, je préfère qu'il soit chargé à chaque qu'il soit mis à chaque fois qu'on recharge la map, mais moi j'aimerais bien que ce soit fait qu'une seule fois au début par un souci un peu d'optimisation. Donc en fait je peux faire un execute unless, donc c'est dire que ça va exécuter la commande si la condition que je mets maintenant est fausse. Et la condition, il manque le dièse ici, ça va être si cette valeur est égale à cette valeur. Donc je teste si ce joueur virtuel est égal à ce même joueur virtuel. Donc logiquement, si la valeur existe, c'est vrai. Par contre, si elle n'existe pas, ça indique qu'elles ne sont pas équivalentes. Donc avec ce système, en fait, j'exécute cette commande uniquement dans le cas où la valeur n'existe pas, où le score n'existe pas. Et donc, je mets ça comme ça. Donc je peux dupliquer, j'ai besoin la vue numéro 2, pour l'instant je vais juste mettre ici, qui va contenir deux options. La vue numéro 3 qui contient deux options. La vue numéro 4 qui contient 7 options. Ce sera la première vue permettant d'acheter des recettes. La numéro 5, pareil. La numéro 6, pareil. Et enfin, la numéro 7 contient que 5 options. Il y aura également d'autres vues qui vont être faites par la suite pour le nombre de... pour les objets qui seront en vente pour le joueur, sauf que j'ai pas encore défini quels objets ce sera, donc ce sera fait ultérieurement. Donc comme d'habitude, là je vous montre ce qui me paraît le plus important de voir, mais je montre pas la totalité de la création de la map. Comme ça, le jour où elle sortira, vous pourrez y jouer et avoir déjà des surprises. Et en plus, ça évite trop de redondance dans mes vidéos. Et je vais encore en faire un dernier, qui va être View tout court. Et en fait, ça va être la vue courante, entre guillemets. Donc ce score changera aussi à chaque fois, sauf que il sera à 5 au début vu que c'est la vue 1 qui sera chargée la première fois, donc on peut laisser à 5. Donc j'enregistre, donc les vues 8 et plus, comme j'ai dit, ce sera traité à un autre moment. Et maintenant je peux retourner dans mes fonctions ici et je peux créer une fonction que je vais appeler run, qui sera la fonction principale entre guillemets. Vous pouvez voir aussi que j'ai déjà créé les répertoires execute et view pour la suite. Donc je vais, dans cette fonction run, je vais faire des opérations suivant le score.
Donc c'est une fonction qui va être appelée quand on valide un choix. Ça va pas être quand on se déplace sur le curseur, vous verrez plus tard sur la partie clavier. Donc si on est sur un score de 11, donc le score, je vais vous montrer en fait l'équivalent des écrans, ce que ça va être. Donc voilà tous les écrans qu'il y aura. Donc le score de 11, c'est cette option là. Si on sélectionne cette option là, ça doit nous amener sur la vue 2, option 1. Et voilà, on voit ici les recettes avec les pages suivantes, pages précédentes. Je vous le remontrerai peut-être plus tard. Donc, execute if score du joueur, donc S sur le CPU, match 11. Donc là, on peut le mettre en dur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire run scoreboard player set, toujours le nom de joueur, CPU 21. Donc si c'est le score de 12, je vais aller sur l'écran 31, le troisième écran. Si c'est un score de 13, je vais aller sur quatrième écran. Et si c'est un score de 14, je vais sur le cinquième écran. Je vérifie juste que ça corresponde. Non, en fait, celui-là, je ne le fais pas encore. Et par contre, si c'est l'option 15, ça correspond au shutdown du serveur, de l'ordinateur, donc run function computer shutdown. Donc voilà à peu près comment ça va marcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite finir de compléter pour toutes les options de navigation. Donc à chaque fois, pour l'option 22 par exemple, ça doit retourner en arrière et faire aussi les pages suivantes, pages précédentes que je vous ai montrées avant. Et je vous retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai préparé tout ça. Donc toute la navigation, c'est que j'ai laissé exprès des espaces vides quand c'était pas juste de passer d'une page à l'autre. Je dois également faire une opération au tout début pour savoir le nombre d'options de la vue courante. Donc ça va être tout simplement execute if score du joueur sur le CPU match 11 à 19 par exemple, run scoreboard players opération MCR CPU view sur le computer égale MCR CPView 1. Et voilà. Donc je dois faire ça pour toutes les vues, donc les 7 vues. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de cette manière, à chaque fois qu'on exécute cette fonction, on s'assure de, vu qu'on a changé de page potentiellement, on s'assure que le bon nombre de d'opérations vont être le bon nombre d'options vont être comptabilisées. Vous verrez un peu après pourquoi ça a de l'importance. Donc, vous remarquez aussi que j'ai pas mis les chiffres ronds, donc parce que normalement on devrait jamais avoir un chiffre rond sur le compteur, donc si ça arrive, ça fera tout planter. Mais ça devrait pas arriver normalement. Donc voilà, la navigation est prête. On va pouvoir maintenant créer des fonctions spécifiques pour les options des vues 2 à 7. Donc commençons par la fonction qui permet d'augmenter le nombre de chunks. Donc l'augmentation du nombre de chunks, ça dépendra du nombre de blocs de la victoire que le joueur aura déjà posé. Donc je peux faire tout simplement une fonction qui va regarder le nombre de blocs posés, vu que ça c'est dans un score, et qui va
qui va mettre en fait incrémenter mon nombre de chunks correctement. Donc je vais la faire dans execute et je vais l'appeler tout simplement de_1.mcfunction. Donc pourquoi comme ça? C'est parce que ça va être la fonction qui correspond au score de 1. Donc ça veut dire que si je décide de changer l'ordre de ces vues, je dois renommer toutes les fonctions. Par contre, ça me permet de voir directement qu'est-ce qui fait partie de quoi. Donc je trouve que d'un point de vue visibilité, c'est un peu plus simple de cette manière, plutôt que de donner un nom à cette fonction et de ne pas oublier de changer le nom par la suite. Si une fois je dois remodifier, je dois tout modifier, mais ce sera toujours la même logique partout. Donc les vues seront aussi nommées selon ce schéma-là. Donc cette fonction, ça va être très simple. Ça va être un execute if score. On fait beaucoup ce genre de commandes dans cette map. MCR quest block. Donc c'est mon score, le nombre de blocs posés, qui est global pour tous les joueurs de cette manière, en plus en faisant avec un joueur virtuel. Match 2 et plus. Run scoreboard. Players set MCR quest biome, donc ça c'est le nombre de biomes de MCR quest. Et je mets la valeur de 1. Donc pour rappel, si cette valeur vaut 0, ça correspond à 2 chunks parce qu'il y a les deux de base que j'ai pas compté dans le score. Donc ça va être 1. 2, 3, 4, 5 et 6, plus les deux de base, donc 8. Et 6, ça va tout simplement être de 2 en 2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le joueur aura posé 12 blocs de la victoire, il aura tous les chunks, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de supplément là-dessus. Donc on peut passer à un autre genre de vue, celle pour acheter les recettes. Donc l'augmentation de la taille des plateformes, ce sera aussi sur le même principe que l'achat des recettes. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler 5.2 MC function. Donc si je reviens sur mon schéma, 5 c'est ici, 2 c'est htrecet forest. C'est très basique comme comme nom. Donc pour acheter ces recettes, j'ai décidé que ça va être en payant des objets, ça va être en payant des saplings, n'importe lesquels, et il faudra en dépenser 64. Donc la première chose à faire, ça va être de vérifier si le joueur possède ses saplings. Si c'est le cas, on lui donne la recette et on retire les objets de l'inventaire. Donc pour connaître le nombre d'objets de l'inventaire d'une entité, on peut utiliser la commande clear. Avec comme ça. Oups. Et en fait, si on fait un clear de 0 objet, ça va juste retourner le nombre d'objets sans faire d'opération. Donc on va enregistrer ça quelque part. Execute store result score. On va le mettre sur MCR quest. On pourrait le mettre ailleurs, mais vu que ce quest est utilisé avec des joueurs virtuels, on peut se permettre de l'utiliser en fait. Ça évite de créer un nouveau scoreboard juste pour ça. Run clear. Je vérifie juste que la syntaxe est correcte. Si je coupe ça, si je mets n'importe quel objet. Bon, c'est peut-être mon éditeur qui n'est pas capable de trouver. Je vais juste vérifier. Ah, je suis dans le mauvais mode de difficulté. On va voir si ça marche toujours en snapshot. Hein.
links 0. Et on voit que ça trouve deux matching items. Si j'en prends un peu plus du même type et je refais ça, ça en trouve 8. Donc cette partie là marche toujours en snapshot. Donc maintenant j'ai mon score MC request qui contient le nombre d'objets pour l'opération courante entre guillemets. Donc je peux faire execute if score du joueur pour la quête match 64 ou plus, run recip give au même joueur, ou alors non, à tous les joueurs on va le donner. Et là il n'arrive pas à trouver, et normalement je pourrais passer par ici. Ah, c'est mcr-quest. Je préfère vérifier la syntaxe. Oups. C'est parce que j'ai fait un collier à la place. Bon, c'est pas grave. Et c'était forest crystal et forest shard. Donc ça c'est fait, on peut encore retirer les objets cette fois. De la Minecraft saplings et on en retire 64, pas plus. Je vais pouvoir, juste pour avoir l'esprit tranquille, scoreboard player reset sur MC request, comme ça ça évite les bugs. Enfin je préfère retirer le score que j'ai mis vu que c'est un score qui est vraiment uniquement pour cette commande. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter des joueurs virtuels chaque groupe de recettes, donc forest, fire, etc. pour indiquer si la recette a déjà été apprise ou pas. De cette manière, si le joueur essaye de reprendre une option qu'il a déjà prise, ça va pas le pénaliser en lui retirant une nouvelle fois les objets. Donc je vais déjà faire depuis ici if score s quest. Donc toujours 1064. Run scoreboard players set MCR quest forest par exemple. Donc chacun aura le nom en fait qui correspond au groupe. Je lui mets 1. Donc je vais vite créer tous ces players. Où je précise que ça fait partie d'MCR Quest. Je lui mets 1. Donc si je retourne dans mon initialisation, je le mettrai à la suite de celui-là. Donc pour l'instant, je fais de nouveau que les deux qui nous concernent. Vu que j'ai fait que les quêtes, les recettes feu et forêt. Et voilà, de cette manière, j'initialise mes valeurs. Donc la fonction est prête, on va pouvoir l'ajouter dans mon run. Je vérifie juste le temps de la vidéo, ça va encore. Donc ma fonction 5.2. Je peux déjà copier un petit peu ça. Donc si on est sur 52. Par contre, on va pas tout de suite faire le run. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier à cet endroit-là si la recette a déjà été apprise ou pas. If score 2 MCR quest forest
pour MC Request match 0. Donc si ça 0. Et cette fois on peut faire run function computer execute 5-2. Donc j'ai fait avant mon 2-1. Je peux aussi le faire ici. Donc là, il n'y a pas de condition. Par contre, si on a fait lancer la commande 2-1, je l'exécute de cette manière-là. Donc cette partie est terminée. On va maintenant pouvoir commencer à faire le clavier. Enfin, ce que j'ai appelé le clavier. Alors tout d'abord, au moment où le joueur démarre l'ordinateur, il va falloir l'immobiliser pour pas qu'il puisse commencer à faire une opération et partir. Donc il y a deux manières d'immobiliser un joueur, avec un slowness ou avec un TP en permanence dans la bonne position. Donc, moi je préfère la deuxième option, parce que si je vous montre... Pendant 10 secondes avec... genre 10, ça fait un gros zoom comme ça. Donc effectivement on peut pas bouger, par contre on peut bouger la tête et il y a ce zoom. Donc moi ce que je préfère c'est faire un TP. Donc j'ai déjà préparé, tac, j'ai mis ce bloc pour savoir où c'était exactement. Donc j'aurai mon ordinateur qui sera ici pour l'instant en tout cas, et on voit que si je me décale, ça me remet toujours avec la tête dans la bonne direction. Donc ça c'est ma position, 865-2, et là c'est la rotation, moins 180 et 0 pour l'orientation haut-bas. Donc avant de faire les commandes, je vais construire l'ordinateur, comme ça va être un petit peu plus un peu plus simple de visualiser le tout. Donc il me faut un lectern. Je précise que j'ai vu ce modèle en fait chez le youtubeur Greant, un youtubeur anglais. Et j'ai bien aimé le principe. Alors il me faut des trapdoors, je sais pas pourquoi je le voyais pas. Il me faut quoi d'autre? Un panneau en acacia, je vais mettre en bois normal, je change un peu d'avis des fois. Des item frame, une carte vide pour l'instant, d'ailleurs je vais, en fait elle servira à l'affichage pour l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une deuxième. Et voilà, celle-là, ça va être la vraie carte de mon ordinateur. Donc c'est la troisième que je crée sur le serveur. Je pourrais peut-être que je trafiquerai un peu les NBT par la suite pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je vais juste la renommer. Ah, d'ailleurs, j'avais la première ici. Donc voilà. Faudra que je vois si... Ça fait longtemps que j'ai plus travaillé avec les maps. Faudra que je vois s'il y a moyen d'enlever le curseur qui correspond à la position du joueur. Si on peut pas, ce sera tant pis. Donc je peux commencer, je vais juste me mettre un petit effet de night vision, ce qui fait un peu sombre. Donc je vais avoir mon lectern ici, je vais avoir des trapdoors de cette manière,
Voilà, parfait. Un petit panneau. Non, pas ici, un peu. Voilà, ça c'est juste pour cacher un petit peu le tout. Un item frame ici, c'est que je vais mettre pour l'instant mon écran qui est tout vide. Un autre item frame ici. Et enfin, il me faut un. Structure void, donc un objet technique qu'on n'a normalement pas avoir accès dans le jeu. Et en fait, je vais tout simplement l'utiliser comme objet pour détecter quand le joueur va interagir avec, quand il va faire tourner ça, sauf que je lui donnerai une autre apparence via le datapack. Donc le screen, je ferai qu'il n'y ait pas le nom qui apparaisse par la suite. Aussi, quelque chose d'important à faire, c'est de faire un data merge entity ici. Et invulnérable. Parce que si on met pas ça, le joueur peut détruire l'item frame ou le contenu de l'item frame, même quand il est en mode aventure. Par contre, je sais pas s'il y a moyen d'empêcher qu'un objet tourne. Et aussi toujours le problème, c'est que le joueur pourra interagir avec ça. Par contre, ce que je ferai en fait, c'est que je ferai un système qui va remettre correctement les trapdoors si le joueur interagit avec. Donc voilà, j'ai mon système. Donc maintenant, ce que je peux faire déjà dans ma boucle, je vais le mettre dans une boucle ici. Non, pas ici, à la racine. Donc ça va être execute as if score. Donc là je fais ce système parce que je suis pas sûr de que ce soit le joueur qui exécute la commande vu que c'est le tick. Il faut d'abord dire en fait quel joueur exécute ça. Enfin, comment expliquer? Les commandes précédentes seront exécutées à la base par le joueur. Alors que ici c'est Minecraft qui exécute lui-même, donc il faut spécifier quel est le joueur qui lance. Voilà, si ça vaut 1 ou plus, run TP pour le joueur, moins 800, 65, moins 2, moins 180 ou 180, ça revient au même, je sais pas pourquoi j'ai mis moins. Donc voilà, on a cette fonction. Si je vais dans mon main, ici, je peux l'ajouter. MC computer 2.tick. Je vais déjà juste faire un reload, voir si tout se passe bien ou si j'ai des erreurs. Alors, j'ai des erreurs, mais est-ce que ça vient de problème chez moi? Ouais, je crois que c'est mes. J'avais fait ces recettes pour désactiver. Par contre, apparemment, je peux plus faire. En snapshot, je peux plus faire moving piston comme item alors que ça marchait avant. Il existe. Mais apparemment on peut plus peut-être le fait de l'utiliser dans les recettes. Bon, c'est pas grave. Ça veut juste dire que ça fait des messages d'erreur dans ma console, mais ça désactive quand même bien la recette normalement. D'ailleurs, je vais vérifier. C'était quoi? Glace. Table. Si
si je me donne toutes les recettes. Non. Je me trompe de commande. Ouais, bref, enfin, je testerai par la suite, c'est pas le plus urgent maintenant. Donc, j'ai fait mon ordinateur, j'ai ma boucle qui normalement me téléporte. Si je me mets un score. D'ailleurs, ma boucle, j'ai mis sur MCR Quest. Je suis en train de relire mes notes, c'est MCR Computer CPU plutôt. Voilà, on voit que je suis en position, si j'essaye de bouger, ça marche pas. Je me mets un score de 0, je peux repartir. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à créer les commandes. Donc les commandes, en fait, ça va tout simplement être un message. Il y a la commande Telro qui permet d'afficher des messages avec des liens et une mise en forme. Et il y aura 4 options, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, un bouton pour valider et un bouton pour quitter rapidement. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil de Minecraft.tools qui est ici. Donc j'ai déjà commencé à paramétrer. Donc une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, un bouton return, bouton escape. Juste mettre des espaces, enfin des sauts à la ligne. Ce sera un peu plus lisible. Toujours entre crochets, comme ça le joueur voit bien que c'est un lien. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien cette manière de faire. Je vais mettre ça en vert par exemple. Donc sur Edge là ça s'affiche pas très bien, mais j'ai pas voulu lancer Firefox parce que j'ai des onglets ouverts et tout. Voilà, et ensuite à chaque fois ça doit être un lien qui va exécuter. Ah tiens, c'est nouveau ce geste commande. Donc run commande function mcr computer keyboard up. Donc je copie ça, voilà. Ici ça va être run commande, la même chose, keyboard down. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc ça marche pas très bien sur Edge, je le fais vite avec Firefox et je vous retrouve après.